Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de The Technomancer. Donc on va commencer à aller voir un petit peu les quêtes à droite à gauche. En l'occurrence actuellement, donc oui j'ai récupéré des bottes, les bottes de travailleur numéro 2. Hein. Il faudra qu'on aille recycler tout ça, pardon. Au niveau des talents, des compétences, des, voilà, des stats, des journaux, voilà. On doit aller voir la rumeur des marchands. Quête secondaire, un champion dans l'arène. La rumeur des marchands, interroger les marchands. Cela dit, il me semble que sur cette map, normalement il devrait y avoir quelque chose qui m'intéressait. Voilà, ici. Il y a quelqu'un que je peux récupérer au niveau de l'équipe ici. Ça peut être sympa. C'est pour la quête secondaire, je pense. Ici, Elisa Major, pardon. Non, Elisa. D'accord. Et donc, où sont ces... Non, justement, je veux la voir. Je veux suivre cette quête. Et ça se passe donc ici. D'accord. Bah, écoute, on y va. On y va, on y va, on y va. Il fait sombre. Hein. C'est la nuit, tu me diras. C'est normal. Oui, mec. Ça avait l'air sympa. Tu vendras pas que des compos par hasard, toi. Hello. Looking for some medicine, drugs, ingredients maybe. Oh, ce doubleur. Ok, d'accord, oui, il y a la quantité qu'il faut. Plan d'amélioration des bâtons standards. Poignard standard. Ça coûte cher. Ça coûte la peau du cul. Par principe. Par principe, je vais lui vendre 2-3 choses. En l'occurrence, les mines. Parce que je n'utilise pas, je vais en vendre 3 sur le principe. Hop, ce qui me fait un peu plus de sous maintenant. Et j'ai donc acheté le plan des bâtons. Le plan des gants. Et le plan des armures. Maintenant, si on peut, on va essayer de rejoindre un atelier qui est juste à côté. Parfait! On va aller voir ce qu'on a débloqué ou pas. Chemise d'artisan, veste d'aspirant, d'accord. Et donc... D'accord, ça me permet d'avoir les dégâts améliorés 2. D'accord, génial. Génial, génial. Ce qui rend le truc beaucoup plus joli, effectivement. Ok. Ah la vache. Ça me coûte le plan. Ah, c'est violent. C'est violent. D'accord. Ok, je comprends. Bon, pourquoi pas. On va quand même continuer un petit peu l'histoire, pour le coup. Ça doit être par ici. Voilà. Great master said the caravan would be right here. The stand looks like it's been deserted. I'll question the neighboring merchants. Neighboring merchants. Ok, why not? Ok, on y va, bonjour. Mr. Mancer, it's a pleasure to make your acquaintance. Big on weaponry, I hope. What can I get you? Montre tes marchandises. Tantôt à lame crantée, cruquerie, d'accord, assommoir. Oui, ça coûte une blinde. Ok. Limite, je pourrais lui revendre ça aussi. Je les utilise pas. Bêtement, je les utilise pas. Gants d'aspirant, c'est ce que j'utilise. Pistolet de précision, ce n'est pas ce que j'utilise, cela dit. Ça coûte un prix incroyable. Non, laisse tomber. Du coup, est-ce que je pourrais pas. Voilà. Interroger sur la disparition de la caravane. They arrived yesterday, but truth be told, I think they found some trouble. Oh! I wasn't there when it happened, but from what I heard, some people were looking to talk. Then talking turned to shouting, and after that, they were seen down in the slums. I
here, and then they were dragged into some warehouse. Whatever they did, they're in big trouble now. If you're looking to help them, you better find them fast. Ok. Ok, ok. Bah écoute, on va se dépêcher. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un générateur? Joli. Joli, joli. Beaucoup d'armure. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement dans le journal? Tout simplement enquêter sur la disparition, d'accord. Ok. Lui, il m'en dira pas plus, je pense. Peut-être eux, là. Non. Joe Goodsman, bonjour. Ah, maintenant, toi, c'est le mec. Hello. Looking for some medicine? Peut-être que, attendez. Interrogé sur la caravane. Ah, voilà, parfait. Can you help me? I'm looking for any information on the caravan that sets up in the stall over there. I don't know. My memory sometimes needs incentive to remember. Charisme 50%. Mm-hmm. How's this for a memory booster? Oh my, perfect. What, do you want a gift wrap? What I'm about to tell you could get me killed. You've heard the tale of the Vori, of the underworld. So these overpriced foreign merchants did something to piss them off. Didn't pay their rite of passage or protection serum or something. Whatever the hell it was. They were kidnapped, that's all I know. Where they are, or even if they're still alive, I haven't the damnedest clue. For that, you'll have to ask the Vori. Hmm. Now do Joe a favor. Take this herb and get the hell out before you raise suspicions. D'accord, alors négocier avec les Vori, ça va être coton ça. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'entraîne jusqu'au level. Alors attendez. Jusqu'au level. Level 9, ça fait beaucoup quand même. Hein. Quel level moi déjà? Je suis quel level? Je suis level 6. Ah la vache, ça fait beaucoup hein. Mm-hmm. Ou alors on spamme la chance. On spamme la chance. On va bien voir. On va bien voir. Il y a du bleu. Il y a du bleu un peu partout hein, regardez. Hein. On pose des coffres un peu partout. Ce qui en soi n'est pas mauvais, hein, n'est pas complètement mauvais. Hein. Soyons honnêtes. Oula! Bonjour, merci d'être réapparu aussi bellement, je dirais. Est-ce qu'on a une quête à faire par en dessous ou quoi? Parce qu'il nous a dit toujours par en dessous là-bas, mais... Négocier avec les Vori. Effectivement, on a bien une quête là-bas. Bah écoutez, on va commencer par ça. Ça nous fait une première quête assez sympathique, je pense. Hop, permettez, je passe, pouce, je passe, pas ma faute. Hop, c'est bon, voilà! Les bas quartiers, les Vori. Alors on a quelques laissés passer, ça peut être sympa. J'ai cassé la goule à certains de leurs mince clients, je dirais, en tout cas de leurs gros bras. Si on peut appeler ça des gros bras, c'est vrai qu'ils étaient balèzes quand même. Du coup, je me dis que je devrais peut-être pouvoir être en mesure de rentrer sans trop de problèmes. Hello. D'accord, on est en plein jour, mais ça se voit vachement, hein, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est arrêté? Ah, je vois. Oh, joli. Hop, ça c'est fait. Oh, joli. Raté. Hop, et voilà, ça c'est fait. On s'est pas trop mal débrouillé. Si on continue comme ça, ça peut être sympa. Hein. Honnêtement, si on continue comme ça, ça peut être sympa. Ça peut se faire assez, on va dire, facilement.
Apparemment c'était par là en fait. Par où ce sera plus simple? Par là je dirais. Surtout que je n'y ai pas été par là il me semble. Donc du coup ça peut être... Ah si j'y étais. Si. J'y étais. Allons par là. On espère qu'on tombe pas sur les autres zigotos de tout à l'heure, pardon. Eh ben si. Mais il y a encore les cadavres de vos copains. Hop. Ok, oh GG. Hop. Oh. Et l'interruption là. Ok, poids léger, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, pourquoi pas. J'imagine que c'est parce que j'ai fait beaucoup d'esquives jusque là. Sur le travailleur, why not. Blouson des Vori. Ah. Ah ah. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ok. Il est pas moche, hein. Attendez, faut que je me mette bien en face. Une lumière, merci. Crac. Ok, je prends. Piège crochetage 1. D'accord. Intéressant, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup. Ok. Compte tenu qu'il est possible que nous allions dans une zone où il y aura... du crochetage à réaliser, ça peut être intéressant. J'ai complètement oublié l'heure à laquelle j'ai commencé l'épisode, c'est génial. Oui, je me rappelle de vous. Là, c'est là qu'il y avait des péripatéticiennes. Que j'ai tourné trois fois dedans, donc... Sorry, pal. Nobody enters this office if they got no pass. That right, pal? I'm an officer and a technomancer, and I'm here to see Anton Rogue. Think you should let me in. You even know who Anton Rogue is? He's the big fucking balls here, the boss. I don't care if you're a damn general. Get the hell out of here. Alors prends ça et ferme ta gueule. Show it to me. All right, fine. You can come in even though you're dressed like you stole it from one of our guys. Oh, je l'ai pas volé. Je l'ai pris sur son cadavre inconscient. Je croyais qu'il avait sorti son arme lui là-bas là. Ok. Intéressant. Il y avait sans doute un autre moyen de passer, mais enfin bon. Pourquoi pas. Ouvrons. Bonjour. Oh, il a des glaçons, donc il a du fric. A diamond in the rough, risen from poor street trash to the godlike ranks of technomancer. Now tell me, why am I so lucky to be in your presence? Concernant les marchands liés aux rumeurs de reliques. Looking for a caravan of merchants. They were supposed to be in the exchange. Word is they were escorted to the slums, and you may know something about it. Yeah, rude little men. My town, my streets. Uninvited competition who lack even the common decency to offer a little token of grace in exchange for their presence. If you're ready to settle their debts, I'd be happy to usher them back home. Charisme, tentez de convaincre Anton. Payer la dette, je n'ai pas ce qu'il faut. These merchants were involved in some outside business that
requires interrogation as soon as possible. You can either help me find them, or we can always turn our attention towards your business affairs. Your call, Anton. So either I turn a blind eye. Fair enough. Very well. Let's be magnanimous and hope. J'ai été plus malin que lui. You will find your suspects in one of our warehouses. Go see the guards and tell them he who profits will deserve honor. They will give you the keys. Business is business, and now that ours is done, I will trust in your discretion. Pas de soucis, donc ça se reverra une autre fois, j'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, on aura sans doute quelque chose à voir ensemble plus tard. Ce qui ne me dérange pas, même si ça, il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en étant niveau 2. Alors normalement, je pensais pouvoir l'ouvrir. Voilà, génial. Grâce à la veste, hein. Précisons-le. Il est important de le préciser. Pas dans mes compétences, d'accord. Niveau 1. La veste est intéressante. La veste est clairement intéressante. Il ne faut pas le nier. La veste est géniale même. Elle nous aide beaucoup. Il n'y a plus qu'à voir si en combat elle sera tout aussi utile. Et il faudra aussi l'améliorer assez rapidement, je pense. Ok. L'entrepôt est là-bas. Potentiellement. Est-ce qu'on peut passer par une zone de construction? Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Bon, la nuit est déjà commencée. Il y a déjà des filles. D'accord. Pendant en pleine journée. Anton Rogue sent me. I need the keys to the building. Oh yeah? And I'm the Towser. What? I'm just supposed to believe you? Hmm. Qui aura le profit aura l'honneur. Well, you got the password, so here's the key. Thanks. À quel moment j'ai besoin de la clé en fait? Parce que je suis déjà rentré dans l'entrepôt. Je suis déjà rentré dans l'entrepôt. Oui, c'était les parties là-bas. Hein. J'avais pas accès à certaines parties, c'est tout. Mais ici, il y avait rien. On est d'accord. Oh, mais ils y étaient pas! Non! Non, je refuse! Ils y étaient pas quand j'y suis allé. Bon. Les mecs. Qui êtes-vous? Vous ne me semblez pas un garde à moi. Parce que je ne suis pas. Nommé Zachariah Mancer, lieutenant in Ophir. Si vous êtes le merchant qui a été kidnappé de l'exchange, je suis ici pour vous sortir. Je suis, indeed. Fiorello! Fiorello, maître de la caravane, et voici mes compagnons et amis. But I doubt you came to help us out of the generosity of spirit. Am I correct in that presumption? Ian Mancer, great master of the Technomancers, sent me to talk to you. Hmm. Ah, I see. Yes. One of my favorite clients. And a man with whom I indeed have some information to share. Aurora has discovered a new site, not far from the Shadow Path. A site filled with objects of incredible condition. Donc elle a déjà été trouvée. Attention. News, I'm sure the great master will be glad to hear. You should go now. Get back on the exchange as quick as you can. I'm not one to dally, Mancer. I'll see you around, I'm sure. Oui, effectivement. Prenez soin de vous. Je m'attendais à vrai dire, je m'attendais à une réaction de leur part. Guess we're going around. Hop, ouvrons tout ce qu'on n'a pas pu ouvrir jusque là. On n'a plus l'expérience en double. Dommage. Bon. Oh, tiens, un coffre que je n'avais pas vu. Hop, allons-y. Allons-y. Ça va être par où? Ça va être par là, puis à droite. D'accord. Ok. Le Curiosities. Et normalement, ici. Tiens non. Un bar. Ah bah, c'est dommage. Alors là. Là, c'est dommage. Un truc aussi bien planqué, franchement. Je suis en plus complètement planté de route, c'est génial. C'est par où? C'est pas par là. Tu t'es planté. T'aurais mieux fait de mieux regarder. Ah, y'a un truc là-haut. Attendez, je sprint. Personne pour m'attaquer? Non, tant mieux.
Pas le droit d'entrer, je présume. Ouais, c'est ça. Je me suis encore fait eu. Bon, c'est pas grave, on va retourner à gauche et on devrait pouvoir trouver l'endroit pour revenir à l'échange. Ensuite, on va voir notre Yann, notre grand maître. C'est quoi cet endroit? Enfin, je me doute de ce que c'est, mais... Bonjour, mesdames. Pas encore! Make the slightest move, you're a dead man. Hop! Oh la gueule! Oh mais non! Oh la gueule! Mais non! Mais c'est pas possible! On se fait violer dans ce jeu, chers amis! Oh! La violence! Il va nous falloir beaucoup plus de constitution! Bon, ressort. Faut qu'on aille où, précisément? Au nord. On va le plus au nord possible. Là, il n'y a pas d'indication de nord sur la carte, c'est rigolo. Il y a encore les cadavres de leurs copains ici, quoi. Madame. Voilà, on y est. On va y arriver. C'est pas grave. Bon. On se fait quand même violer. Oh là là. Oh là 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 là, je suis désolé, mais ça me choque de me faire violer à ce point-là en début de jeu, quoi. Est-ce que je devrais pas être dans la zone? Est-ce que j'ai mal choisi mes compétences de départ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors, au niveau de la map, cela dit. Oh la vache, ils sont à 3 km au nord. Personne d'intérêt absente, personne d'intérêt, zone de recherche, objectif annexe, dernière sortie vers un niveau contigu. D'accord, ok, je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon, c'est pas grave. Oh, on a un truc ici à prendre. Il y a même pas le mauvais. D'accord. Je vais juste passer là-bas, histoire d'améliorer vite fait le. Hop. Oh, un coffre. Niveau 1. Tiens donc. Ok, je prends, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un autre coffre. Niveau 1. Je prends aussi. Hop. N'empêche qu'on trouve pas grand-chose. Mais c'est un cul-de-sac, en fait. D'accord, je peux ouvrir ici. Ça peut toujours aider. On va gagner du temps. Allez, ouvre. Allez. Hop, d'accord. C'est étrange comme endroit, n'empêche, hein. Entrons. Oh, dis donc, c'est vraiment bizarre tout ça, hein. Ça fait des bâtiments un petit peu clandestins, genre. Enfin, je comprends pas, je trouve ça bizarre comme bâtiment. Des mines explosives supplémentaires, ouais. Rien dans le coffre. Ça, je peux ouvrir ou pas? Oh là là, il est lourd. Hop, merci. Hop, blouson de médecin. Ok. Chemise de fonctionnaire. Pardon. Hop. Uniforme de soldat d'abondance léger. Cagoule de gangster. D'accord. Remarque, c'est une jolie cagoule, ça peut être sympa, hein. Sur le principe, moi, ça me dérange pas les cagoules, hein. On va aller voir ça. Ah non, c'est vraiment une cagoule, c'est vraiment pas... Je pensais plutôt une capuche, moi, personnellement. J'aurais préféré une capuche. Un instant, chers amis. Malheureusement, on m'appelle. Re, chers amis, excusez-moi. Bon, on reprend. Alors. Oui, je voulais garder les lunettes de protection parce que voilà. La cagoule, ça me plaît pas. Blouson, chemise de fonctionnaire naze. Blouse de médecin, non. Voril léger, ça pourrait être stylé. Moins d'armure. Mais c'est tout. Ah, regardez, il y en a que je peux pas, par exemple, là, actuellement. Je peux pas l'améliorer celle-là. Chemise artisan, je peux l'améliorer. Veste d'aspirant, je l'ai améliorée. Soldat d'abondance léger, je ne peux pas l'améliorer. Ah. Bon à savoir. Et au niveau des bottes, chose de travailleur. Mouais. Pas aussi intéressant que prévu. Clé d'entrepôt, d'accord. Ok. Ok, ok.
Donc je ne peux rien ouvrir de plus. On peut ressortir. Hop. On peut ressortir, on peut ressortir. Là-bas j'ai vu un truc qui brille rouge, c'est donc verrouillé. Et je peux l'ouvrir avec cette veste. Ok. Un nouveau pistolet, génial. Alors ça, ça c'est génial. Chance d'interruption, par contre elles sont baissées du coup, faudra que j'aille améliorer ça. Vitesse de refroidissement plus 50%, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Du coup ce sera au niveau de la main. Pistolet, ah oui d'accord. Alors pistolet à clou, d'accord, et la pistolet robuste. Ok. Il va falloir un petit peu de lumière que je puisse voir à peu près à quoi ça correspond tout ça. Je vais bien m'ouvrir. Putain, je suis coincé derrière. Non, c'est bon, il y a une porte ici. Hop, c'est bon. Ok. On a un truc là-bas. Alors attendez, la lumière ici, si je peux en profiter pour voir ce gun. Hop. Montre-moi le gun. Pistolet robuste. Voilà le pistolet que j'avais avant, le pistolet que j'ai maintenant. D'accord, c'est vrai qu'il est stylé. Peut-être un peu plus balèze encore, ce qui est rigolo d'ailleurs, parce qu'il était déjà bien balèze l'autre. On va aller voir ça. On va l'améliorer le plus rapidement possible. Hein. C'est vraiment histoire de. Accessoires, dégâts améliorés 1. Donc ça, c'est toujours le même truc en fait. Écoutez, on va en profiter, c'est pas grave. Hein. On est obligé. Ok. On va, hop, supprimer celui-ci. Au niveau des autres armes, on a encore un hachoir en trop. Donc on peut virer le hachoir en trop. On n'a pas complètement amélioré ce hachoir, cela dit. On peut avoir des dégâts améliorés là-dessus aussi, s'il te plaît, merci. Hop. Matraque lootée, on l'utilise pratiquement jamais. Bâton simple, il est en full dégâts améliorés, mais c'est pas vraiment suffisant, entre guillemets, si je puis dire. Pantalon d'uniforme de soldat. Régénération de fluide moins importante. Je le recycle. Je peux pas si je peux les recycler, je peux pas les améliorer, cela dit. Chemise de fonctionnaire. Science plus 1, je vais le garder. Médecin ou fonctionnaire. Non, je vais virer fonctionnaire, je garde médecin parce que c'est la même stat. Blouson d'ivory léger. De vori léger, pardon. Ça, je peux le virer. Chemise d'artisan, je garde. Ça, je vire. Ok. La cagoule. Je la vire parce que voilà, pas de style. Pantalon, blouson, bottes, je garde. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Maintenant au niveau de la quéquette. De la quéquette, la quéquette, la quéquette, c'est par là. On y va. C'est rigolo, malgré que ce soit un endroit de riche, entre guillemets, si je puis dire, parce que c'est un peu ça. Hein. J'entendais quand même avoir quelques vices arriver la nuit, un petit peu comme genre Las Vegas, vous voyez. Au final, non, pas plus que ça. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est vraiment une... une zone particulière en soi. Hein. Je peux descendre par là ou pas? Oui, je peux. Parce que je vois qu'il y a du sous-sol. Il y a du sous-sol. Ah non, c'est juste un tunnel pour passer de l'autre côté, d'accord. Ok, tout simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, je reconnais l'endroit. Nous rentrons à la maison, si je puis dire. Là, nous avons été intronisés officiers. Hop. Et nous allons aller voir notre grand maître. Le grand maître de notre ordre, qui je l'espère pourra me dire, faire dire à ma chef d'escouade que j'ai fait du beau boulot pendant que je glandouillais. Ah, bonjour. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Je fais mon rapport sur le règlement d'Orlick. Finally managed to meet the merchants you told me about. It wasn't easy. The mob kidnapped them for serum. I freed them before talking to them. I'm sure gratitude helped to loosen their lips. So what knowledge was gleaned from such lengths? Word that Aurora is running large-scale excavations along the shadow paths near our territory, and in the process uncovering important objects, maybe even a relic. Fascinating. Finds that are no doubt better off in our hands than those of Aurora's technomancers. Keep those merchants close, Zachariah. Information like that is such a priceless commodity. Je suis tout à fait d'accord. Free to roam than the rest of us. Of that I have no doubt. But if you find access to a rover and perhaps find a way to that excavation site and locate the relic, well, you cannot know the value it might hold if brought back to us. It may seem petty,
It's a mission for some rusty relic that may or may not even exist. However, if you are able to slip away from Ophir... Ha! C'est rigolo parce que les... Ils nous... Comment dire? On est bloqué par un certain code d'honneur qui fait qu'on est obligé d'obéir à certaines règles. Par exemple, moi je n'ai pas accès à un rover seul, etc. Plein de trucs comme ça. Mais ils nous disent que si jamais t'as l'occasion, n'hésite pas. En fait, c'est comme si ces règles, elles étaient habituellement brisées. C'est un peu comme quand... par exemple, pour parler de de Game of Thrones. La garde de nuit, ils sont pas censés baiser, mais ils baisent, on le sait tous. Voilà. Ok. Pouvoir 2. Oh la vache. Puis il a l'air vachement bien en plus. Attends, c'est pas le même quand même. C'est pas juste le même pantalon niveau 2 quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Lieutenant Zachariah Manser. What a pleasure. Hello, sir. I don't think I've had the honor of meeting you before. Ah, of course. I am Colonel Victor Watcher of the ASC. Colonel? Mm-hmm. At ease, Lieutenant, at ease. Simply came to congratulate you. I learned that you've become a technomancer of the highest degree. For a young man from the Rogue family, that is a terrific achievement. Thank Merci. You. No, no, thank you. Your road must have been difficult, but you persevered. An outsider who managed to work his way into the ranks of the elite technomancers. A marvelous story, especially given their secrecy. They've always fascinated me. Do you have any insight as to why they chose to be so insular? I'm sorry, Colonel, but I don't know what you mean. What a shame. By coming to you out of friendship, I was hoping that you wouldn't treat me like an outsider, too. Non. All right, non, non, on se reverra back pas. To your duties. But think about what I asked, and we'll see each other again. Non. Non, non, on se reverra pas, t'inquiète pas. Donc, on a gagné des points, on a un point ici. Ah ah, il y en a un point ici. Intéressant. Constitution, pouvoir. Il semble qu'il fallait un pouvoir 2, hein, il me semble, hein, de mémoire. Ah. Pour mettre l'équipement, il me faudrait un pouvoir 2, mais il faudrait plus de santé aussi. Charge maximale plus 1. Ah là 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 là. Il faudrait que je fasse plus de dégâts aussi, clairement. Bon, on va passer là-dessus sur pouvoir 2 parce qu'on a de l'équipement pour le pouvoir 2. Pantalon. Je voudrais changer de pantalon. Ok. On a aucun autre point. Ah, si, on a des points ici à mettre dans le coin. Alors ça c'est pratique. Ça peut être carrément pratique. Hop, je le prends. Ça c'est sans doute une des choses les plus pratiques du jeu. Faudra que j'aille chercher celle-là aussi. Ça aussi, il faudra que j'aille le prendre. Ok, vous voyez, donc on a une charge en plus en haut à gauche. Ça c'est génial. Hop. Ok, bon. Donc, au niveau des quéquettes aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un combat déloyal, champion de l'arène, effectivement. Et archéologie dans le désert, d'accord. Retrouver la terre. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire le premier niveau de l'arène? Pouah. On va tellement se faire défoncer. Non, 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 on va aller voir notre chef. Elle nous a réclamé depuis quelques temps déjà, malheureusement. Il y a une quête. Il y a une quête à côté du marchand, regardez. Ok, on va aller voir ça. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est ce que moi j'appellerais une quête, hein, personnellement. Après, ça n'est peut-être pas forcément une. C'est là où on est censé avoir récupéré. Enfin, remplacer nos amis. Bonjour. Yo. Tu voulais ? Mr. Manser, it's a pleasure to make your acquaintance. Big on weaponry, I hope. What can I get you? Interrogé sur l'ambiance de l'échange. All the beggars in the neighborhood. It's a new thing? No, no. They've been here way too long, if you ask me. More and more keep piling in. They're ruining my business. Mm-hmm. Clue where they're coming from. All I know
as they keep pouring in, broken, disabled, putting it out there for pity. C'est les Vori qui les renvoient. Coming around don't like that. Me and my colleagues would pay a hefty sum to anyone who could get them out of here and move them to the slums or somewhere. You could be that someone? Yeah? Hmm. I can try. Affluence de mendiants, convaincre les mendiants de partir. Ok. Ok, ok. J'aimerais les convaincre sans avoir usé de la force. Honnêtement. Ce serait pas mal. Alors je vais refaire une sauvegarde, parce que vu qu'on est un peu plus proche, c'est stupide, mais... Déjà, j'aurais dû me rapprocher un peu plus encore. Voilà, je vais me mettre ici. Parfait. On va lui parler. Hey, hey mister, you got some serum mister? No, I don't. And you folks gotta clear out. Let's go. We gotta... You gonna protect us if we do? Comment ça? No, but I'm sure you'll be fine. Yeah, you think? We leave, the smuggler will kill us. The smuggler? I ain't never had no serum to travel, but it ain't stopped me from wanting to. And when I heard about this smuggler feller who might even help make me a merchant. You know, the traveling kind? I thought my dreams were in ouais, vous êtes tous niqués, d'accord, ok, je comprends. Made me sign these papers, see? And after I'd done it, threatened to say I was one of them rebels or worse. Said they'd execute me. And if I didn't do what he said, didn't steal for him in the exchange. But I wasn't no good at it, see? And he wasn't too happy with me for it. Bah avec un demi-bras en moins, effectivement. Alors il m'a coupé le bras, d'accord. Bringing back whatever I made. To stay put if I wanted to keep my life. That's what you call this. Donc il te voit. Ok. Intéressant. Clairement intéressant. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce viriser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trop dire d'envers de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. Encore une fois, un grand merci à mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, tout comme le lien du jeu directement dans le descriptif de l'épisode. Encore une fois, merci à vous, merci à eux, merci à tous, merci à chacun d'entre vous, merci aux nouveaux abonnés comme aux anciens, hein, bien sûr. Encore une fois, un grand merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!